En train d'entendre pour un titre éponyme, il a été vendu à 1 million d'exemplaires. Non, je vais revenir là-dessus. Non, j'aurais adoré que mon album L'Art des naufrages se vende à 1 million d'exemplaires, mais je peux pas vous laisser le dire parce que c'est pas le cas. Bien sûr. Écoutez, c'est l'information que j'ai, mais en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Oui, mais je prends. Merci. C'est peut-être tous les albums vendus à 1 million d'exemplaires. Voilà, c'est bien rétabli. Alors, nous allons parler de tout ça dans cette émission. En 2003, vous signez votre premier single Au jour le jour, écoulé à 200 000 exemplaires, puis un livre sur votre parcours, Au jour le jour, de Gérald Basseporte, qui est paru aux éditions Michel Lafon. Mais ensuite, pendant 2 ans, vous avez enchaîné les tubes avec Si tu savais, votre premier album sort, premier album, Le saut de l'ange, avec aussi des compositions de plusieurs artistes, notamment Maxime Le Forestier, dont nous parlerons tout à l'heure. Mais très vite, un titre fait la différence, c'est Tu sauras. Qui cartonne, le succès est immédiat, tout le monde est au rendez-vous, 300 000 exemplaires écoulés et il fait vraiment décoller votre popularité, Madomas. Oui, c'est dingue. Je me souviens très bien du jour où mon attaché de presse m'appelle le matin en me disant « Tu ferais bien de regarder un petit peu les chaînes musicales aujourd'hui parce que ton clip est rentré partout. » Et effectivement, je zappais de chaîne musicale et je voyais « Tu seras » en boucle sur toutes les chaînes musicales. J'allumais la radio, j'entendais « Tu seras ». Enfin, ouais, effectivement, ça a été un énorme tube, un énorme phénomène. Un titre emblématique. Tout à fait. En 2005, une très grosse année pour vous, l'année aux NRJ Music Awards. Comment vous vivez cet événement incroyable? Je sais pas. C'est l'explosion, c'est normal. Vous êtes dans une continuité. C'est rien, il y a rien de normal là-dedans. c'est effectivement la continuité de ce que j'ai vécu avec la Starac, qui était déjà complètement dingue. Hein. Il faut pas se cacher les choses. On sort de Starac, on est Madonna, quoi. C'est incroyable. Vous avez 18 ans à l'époque. J'ai 18 ans. Tout est démesuré. L'accueil du public, l'accueil des médias. On est tout le temps à la télé. On est tout le temps en promo. On a fait 97 dates en 3 mois et demi de tournée, on est sur les rotules, mais en même temps on est dans un rythme à 1000 à l'heure et c'est extraordinaire. Donc c'est un peu mon premier album, c'est un peu la continuité de tout ça, c'est-à-dire que finalement la seule chose qui change, c'est que je suis passée de Emma de la Starac à Emma Domas. Ça c'est déjà un gros changement, bien sûr. Hein, parce que moi j'étais très contente et enfin j'avais très peur de pas pouvoir être reconnue pour mon travail. Et là, le pari est gagné. Avec la musique pop rock que j'ai choisi d'assumer, ça marche pour moi. Mais ça reste un rythme complètement dingue. Et je sais que à ce moment-là, je surfe sur la vague de la Starac. Donc, c'est un gros tourbillon, on va dire. C'est un gros tourbillon.